Ça vous est forcément déjà arrivé ça, non? Vous débarquez avec un tas de jeux, vous arrivez à la ludothèque et il n'y a même plus la place pour un seul jeu. Et du coup, il m'est venu une idée en fait. Et tout cet espace ici, eh ben j'aimerais pouvoir l'employer. Et je sais, je vais dire, je devrais faire des vidéos de gaming et au final, je fais que des vidéos de bricole en ce moment. Et ben tant pis, ça sera encore une vidéo de bricole. Et du coup, l'idée que j'ai eue, c'était d'utiliser ceci. C'est une ancienne planche hein, qu'on avait utilisée pour un autre bricolage et je crois que c'était le pont hein, qui sert à qu'on passe sous les boîtes quand on entre dans la salle de jeu. Et du coup, elle est plutôt brune avec certains côtés qui ne sont pas colorés. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire trois petites étagères, hein, donc cette hauteur-là, cette hauteur-là et cette hauteur-là, afin de pouvoir continuer les lignées. Alors voyons comment on va faire ça. Voilà, alors voilà ce qu'on a déjà fait. On a découpé des petites étagères avec la grande planche. Mais justement, j'aimerais les rendre plus noires afin qu'elles s'accordent au meuble, bien qu'effectivement, on ne verrait pas grand-chose, ça ne dérangerait pas qu'elles soient brunes au lieu de noires. Mais vu qu'il me reste probablement un peu de peinture noire là-dedans, autant essayer. Ensuite, j'ai ici eh bien, des angles en acier. Avec un seul trou, pourquoi? Parce que quand je le fixerai à la paroi, j'aimerais pouvoir avoir une certaine marge. Hein. S'il y avait deux trous, il faut vraiment percer tout à fait sur la même ligne. Et je ne suis pas, disons, très très bon pour percer très précisément. Et des petites vis à bois, hein, tout simplement pour percer dans la nouvelle étagère et ensuite dans la bibliothèque. Du coup, première étape, on va aller dehors. Pour sprayer en noir le plus possible, hein, jusqu'à ce que la bombe soit vide. Si la bombe est vide avant que j'ai pu faire les trois, et ben tant pis, il y en aura un qui sera un petit peu moins noir que les autres. De toute façon, ça se verra pas du tout une fois attaché au meuble. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer, voir ce que ça donne. J'espère qu'il y a encore de la peinture là-dedans. On va voir mes talents de peintre. Ok, c'est bien. Ok, donc finalement il y avait bien assez de peinture, donc j'ai carrément sprayé toutes les planches en noir et on les laisse sécher. Ça devrait donner quelque chose de tout à fait potable. Ok, ils ont encore une meilleure gueule que ce que je pensais, donc c'est absolument superbe. Très bien, alors voici mes plaques, elles sont devenues franchement un rendu tout à fait acceptable. En fait, j'en attendais pas tant pour dire vrai. Mes vis sont là, j'ai mes équerres ici et on va voir comment on va assembler tout ça. Ok, donc du coup, vu que les plaques sont pas tout à fait carrées, il faut voir dans quel sens on veut les fixer. J'ai un jeu PS2 ici, vu que ça sera ce genre de boîte et on voit que même si je le prends dans la longueur, il va pas du tout dépasser ni à gauche ni à droite. Et du coup, on va évidemment les fixer comme ceci, ça nous permettra d'en mettre plus par étage. Choper le milieu et ensuite fixer ce machin bord à bord et voilà, ça devrait le faire. Voilà, donc le milieu c'est à peu près là, j'ai pas non plus besoin d'être ultra méga précis hein, au final y a moyen d'avoir un peu de marge. Ça s'enfonce et mettre une deuxième vis pour le plaquer définitivement. Il y a quand même de la force de serrage à ce truc. Ok. Voilà, c'est ce qu'on veut. Mais du coup, je fais ça trois fois et ensuite on verra comment on arrive à fixer ça contre l'étagère. Et voilà, les trois pièces sont terminées, c'est maintenant que le fun va commencer. On va faire du contorsionnisme pour essayer de les fixer sur l'étagère. Et d'abord, je dois déblayer l'angle. Ça va être de la belle merde !
et un petit gant. Et je vais vous dire, franchement, c'est certainement pas parfait, hein. Et je pense qu'un menuisier, mais d'ailleurs s'il y a un menuisier qui regarde, il a le droit d'être outré, aucun problème. Mais pour ma part, ça va quand même me permettre de mettre pas mal de jeux, hein. Je pense que 25, moins 25 jeux, on peut les mettre là. Du coup, l'idéal, ça serait de prendre un presse-livre pour mettre d'un côté. Et on va voir, je vais essayer de le remplir un peu, je vais un peu prendre les jeux que j'avais dû mettre n'importe comment là, et remplir l'espace et voir ce que ça donne. Franchement, le résultat, ça va, non? En tout cas, je suis véritablement satisfait de ce que ça donne. C'est exactement comme ça que j'imaginais le truc. Et oui, si vous êtes maçon ou menuisier, mais sautez de votre chaise, je comprendrai tout à fait. Mais pour ma part, ça va remplir sa fonction et ça va me permettre d'acheter des jeux pendant quelques temps sans être à l'étroit. Allez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo de bricole. À une prochaine. Tchuss.